Étienne Saint-Forien, Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayimboka, Botenabino Banso. Wanaguapenzi, Wanainchiote, Nawasalimi Banabetu, Basubwe, Moyoweno, bonsoir. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, on se retrouve encore. Bandekolakisoba Polingo, Tokutani, voilà, chers compatriotes, ce soir, on va parler entre 10 et 15 minutes, ou 20. Bon, voilà, c'est suivant. Donc, un seul titre. Évidemment, on pourra côtoyer peut-être un ou deux titres, mais le titre principal. Échec et mat pour le FCC. Fatshi accepte la démission de Benoît Lwamba. Voilà, chers compatriotes. Échec et mat pour le FCC. Donc, c'est perdu. Ils ont perdu Benoît Lwamba. Alors, les cartes changent. Quand nous disons les cartes changent, qu'est-ce qui change? Vous savez très bien, chers compatriotes, ce qui s'est passé quand Benoît Lwamba était encore présent. Nous nous souvenons des chantages de Tambwe Mwamba et de Mabunda lors du fameux congrès qu'ils voulaient organiser avec en vue. Comment est-ce qu'on appelle ça? La destitution du président de la République. Donc voilà, tout cela a été dénoncé très fortement par Jean-Marc Kabound. Voilà. Jusque à dénoncer qu'il voulait dépenser 7 millions pour cela, pour ce congrès-là. Parce qu'il savait qu'il menaçait toujours le président Benoît Lwamba de la Cour constitutionnelle. Alors, quand on lui envoyait un dossier, il y avait Kalev Moutonde qui le forçait. Il y avait Némi Mouilagna également, l'ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila. Qui téléphonait. Allez, tu entérines ce qu'on te dit là. Voilà. C'était toujours sous menace. Benoît Lwamba lui-même, selon les fuites de la présidence, Benoît Lwamba lui-même l'a fait savoir à la présidence de la République. Ma chère compatriote. Donc maintenant, les cartes vont changer parce que c'est maintenant Félix Tshisekedi qui va nommer le président de la Cour constitutionnelle. Bindiéou Katataka Fumuaditunga Félix Tshisekedi Tshilombo Yeiki Oudi ou nommé président de la Cour constitutionnelle. État de droit. Sikoyonde président Félix Tshisekedi Yemoko a konomé président de la Cour constitutionnelle, Oyo a ko respecté loi, Oyo a ko respecté Mibeko, Oyo ba ko pesa mbongo te pour la corruption, Oyo ba ko menacé te, Oyo a ko zara indépendant. Ça, c'est Yves Yohann de Gouarpenzi. Kunaisha. Nawaza.
président Félix Tshisekedi en a récupéré. Bon, appréciation Yang, on y 80%. 80%, il y a impérium, hein. 80%, il y a pouvoir. Bon, Nicolas Sema, 80%, parce que, mon ami, hein, Joseph Kabila, à Kingali, dès qu'on a dérangé, bah, Kingali, les 20%, il est Nabaki. Hein. Ça, ça y est, Yemo, déjà, t'as nommé président de la Cour constitutionnelle. Voilà. Chers compatriotes, c'est ça, les cartes qui vont changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Balouana Bangouana Misatu, Ekolekate. Bah, proposition d'abord. Ekolekate. Parce que signature Yasuka et Kozale à présidence de la République. Même Ekeïn à Cour constitutionnelle. Président Oeba Konomi Siko. À Kozala. Président Ya FCCT. Hein? À Kozala président, il y a état de droit. Président, il y a état de droit. Même président de la CENI, bon, vous voyez bien que président de la République Gemoto, à cause de la dernière signature, Ronsard Malonda a collé. Voilà, le peuple est uni. Bon, mon ébilomoko, bah marche. Bah marche, UDP sa Bengagi. Pona ko Bengana, ko boya candidature. Il y a Ronsard Malonda comme. Ou l'enterrinement. Bango ba enterrina qui déjà. Ronsard Malonda comme président de la CENI. Donc, Bandeko Yalamouka, va marcher pour la même cause. Mais quand la tête, va panza qui n'a pas grenade lacrymogène. Le plus important, la marche, va tamboliwana pendant quelques minutes. Bah gaz lacrymogène, wana isa, pour la copanza bango. Donc, bazo kanisa qui va comme la. Palais du peuple, tout ça, Bakoboto la palais du peuple, Bakokota Nakati, tout ça pour n'avoir empêché. Bon, c'est normal, même à Wanapoto, ceux qui va moni danger, bah bombe lacrymogène. Hein? Donc l'essentiel marche et salé. Peuple ACP, Tomoni pe bandeko, il y a eu des pèses. Va féliciter Bandeko Yalamouka Ndenge Batambola qui contre Ronsard Malonda, contre les propositions de trois lois. Et puis, Ezali Kambia peuple, voilà qui s'y était, Ezali Kambia peuple, Ezali Kambia parti politique, il y a un moment qui Bandeko est belé, il y a eu des pèses, Bazala qui Péwana, n'a pas peuple Bazala Kalamouka. Bah oyo bah ebi ko reconnaître bango donc cortège ya bawewa oyo bazala ki ko accompagner cortège voiture ya pembe ya Jean-Pierre Bemba na kanisite ke bango nyonso bazala ki bawewa ya la moka. Je pense que Bawewa est belé, la majorité Mazaraki et Bandeko ya UDPS. Sans compter Bawewa Bayaki, sans les drapeaux de UDPS, Mazaraki wana. Donc le peuple est uni. Quand on est uni pour une même cause, donc c'est la victoire du peuple. Kokanisa Tebuke, Ronsard Malonda, Akoleka, impossible à cause de la présidente Yassinite. Peuple aboyi catégoriquement. C'est les cartes qui vont changer. Donc, Bakozala Lissou soutient la possibilité Yako déboulonné Fachi. Fachinde Azali ko déboulonné Bango. Et en plus, le président Félix Tshisekedi va compter sur l'aide américaine. Nalobindengo na ponani. Parce que na mokolo ya anniversaire ya indépendance la biso ya 60 ans. Bon, mon aki
Je m'excuse, il y a eu un mouvement suspect. Voilà. Dans mon collège à l'indépendance, le secrétaire d'État américain, Tibor Nagy. Un point de marque, il n'y a pas Afrique, hein, donc c'est une sorte de ministre américain chargé des affaires africaines, Tibor Nagy, hein, secrétaire d'État. A félicité Félix Tshisekedi, à lobby que pour la première fois à Kogi-Kobenga, République Nabisso, République, à Bengi, République, à Bengi, en Peke, démocratique. Et mon ami Keza, République, et mon ami Peke, démocratique. Pour la première fois avec l'avènement de Félix Tshisekedi et la lutte contre la corruption. Nakanisaki, Bande Konabiso et Bele Batalaki, vidéo Anna. Donc, Azolo Ban anglais, Nassé, Bazo comme en français. Donc, sans embâche, je peux vous confirmer que le soutien est total. Oyeikoya Eya. Donc, quelles que soient les difficultés, Bango Bakozana. Wanapona aider Félix Tshisekedi. Voilà. Donc, les décisions qui étaient boutiquées à l'avance par le FCC et Kozala Lissoussouté, hein. Donc, ils sont cassés. C'est maintenant la véritable République des juges. Hein. Oh, Bango Bazali Kokima, voilà. République des juges. À bêtiser Yangoana, dans la presse, Monique et patientez s'il vous plaît. Je suis désolé, chers compatriotes, on m'a téléphoné, ça a dérangé un peu, donc on peut continuer. Voilà, bon moi ni ma camion voilà. Donc conclusion Ezali que Bango Bakonage est béni. À propos de Benoît Lwamba, ex-président de la Cour constitutionnelle, Marco Yakeyuana, Ezali toujours nage. Ezali nage, mais Nandenge ya bien pour à se sauver parce que y a un camp, il y a Félix Tshisekedi, c'est-à-dire quand il y a état de droit, y a Azana qui sous menace tout le temps, sous menace, salaboyé, ceux qui ont salité, voilà, tout le temps. Yangwana a eu occasion, bavo les athées. Et puis santé naïe Zala qui vient. Abondez-lui, président de la République. Pour Abima, qu'on se faire soigner la poteau. Voilà. Yangwana, yé, anajaki, mais n'entendez bien. Mais si Koyobango, Bakoluka konage, mais Bako se noyé, pour Bavo les athées. Vous allez toujours en état d'urgence. Je ne sais pas. Ceux qui, dans mon sous va qu'on s'échappait, je ne sais pas. Bon, Nakotangisa Bissot, publication, il y a politico.cd concernant démission, il y a Benoît Luamba, Totanga. La présidence de la République officialise la démission de Benoît Luamba. C'est publié par actualité.cd. Voilà, cette fois-ci, c'est du vrai, puisque c'est le président Félix Tshisekedi qui prend acte de la démission. Ce qui veut dire que le démenti était faux. Contrairement à ce que nous avions publié
précédemment dans un direct. Donc, c'est plutôt le démenti qui était faux. Voilà. Nous lisons ça pour vous. Banabetu, tu dis tout bala, bon, ce vendredi qu'on a vu, tout allez kotanga, on a bino, nyon son de wapenzi, tout ko, na, soma, juya nini wote. Voilà. C'est Benoît Luamba, vous le voyez bien. Benoît Luamba, le désormais ex-président de la Cour constitutionnelle. Et l'ex-président de quoi supérieur, du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Lui, sous menace, voilà, il exécutait les ordres donnés par le FCC via qui ça commence qu'on appelle encore le tortionnaire là, de la nerf, Kalev Moutonde. Et puis le directeur du cabinet du président, de l'ex-président Joseph Kabila, Néhémie Mouilania. Il suffisait qu'il le menace et puis lui, il l'exécutait. Hein. Donc, si quelque chose qu'il n'aimait pas arrivait là-bas, il disait c'est recevable et non fondé. Voilà. Et si c'était fondé, c'était dans l'intérêt du PPRD ou du FCC. Voilà, chers compatriotes. Benoît Luamba, c'est officiel. Il a démissionné depuis le 10 juillet pour des raisons de convenance personnelle de ses fonctions du président de la Cour constitutionnelle, annonce la direction de communication de la présidence de la République. La même source confirme ainsi l'authenticité de la lettre de Désiré Cachemire Colongele Eberhand, directeur de cabinet ad interim de Félix Tshisekedi, qui a accusé ce mardi réception de la lettre de transmission du procès-verbal de prise d'acte de la démission de Benoît Luamba Bindu. Voilà, malade Benoît Luamba est à Bruxelles. Il a été nommé par ordonnance le 7 février 2020 en qualité de président de la Cour constitutionnelle. Permettez. Il est entré en fonction le 19 février 2020 après avoir prêté serment devant Félix Tshisekedi. Il a été sanctionné par les États-Unis. Les autorités américaines évoquaient son implication dans une corruption importante et des abus ou atteintes à la démocratie. Donc, Yangwana Boyoki. Boyoki Binomoko, donc, Euti, présidence, donc, Aza Lissoussou, T. Azana Bruxelles, a démissionnaki, c'est officiel. Ce qui veut dire que le président Félix Tshisekedi, magistrat suprême, devra nommer un autre président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, doute est allé sous-souter. Yango, voilà, un bonus pour terminer, chers compatriotes. Tokubakisa vidéo moko ya makimukebai azali kobina na ba congolais. Donc na vidéo na bokomona c'est très symbolique hein. Bazali koyemba Fatshi Boma Lipala po tobenga na Kabila.
Oui, je crois que c'est ça qui change. Donc, Félix-Antoine Tshisekedi, en abrégé FATCHI, divorce de façon que, divorce avec Kabila, de façon que nous puissions chasser Kabila. Donc, ça veut dire que ils sont le peuple. Ils chantent la même chanson que la base de l'UDPS. Que ce deal-là, ça ne nous regarde pas, ça ne regarde pas le peuple. Cette coalition ou ce deal, comme on peut l'appeler, on n'en veut pas, personne n'en veut. Y compris Mike Mukebai et les marcheurs, les manifestants de Lamuka qui sont en train de chanter. Écoutez, et puis nous clôturons. Chers compatriotes, au revoir, votez Kalamalamour, nous venons de la beauté, on a beau apaiser tout dans la bizarre, tout en a quelque chose, par rapport à qu'il y a eu le sol, mais nous venons de la beauté, et tout en a un basse. Dans la bête, vous suivez, chers amis, de tout le monde, si vous ne trouvez pas vidéo, vous ne trouvez pas. Anna, Lingo, Amosila.